Alors, ces élections sont vraiment cruciales puisque nous avons un enjeu important et historique pour l'avenir de la Belgique. Je sais que la plupart des concitoyens sont vraiment déconcertés par ces élections. On risque d'avoir des rejets de vote, des dénis aussi, et tout simplement des personnes qui risquent de ne pas aller voter, alors que nous avons véritablement une question cruciale de savoir ce que nous voulons pour la Belgique, savoir quel cadre aussi de fonctionnement, quelles réformes nous souhaitons pour notre pays. Je pense qu'il y a des enjeux cruciaux. Non seulement le défi, bien sûr, de l'allongement de vie pour les personnes âgées, qu'est-ce que nous voulons pour notre sécurité sociale, pour les retraites, les rémunérations, la possibilité aussi pour les personnes plus âgées de pouvoir continuer à avoir des activités professionnelles. Et puis, il y a des défis économiques et financiers que cette crise nous lance depuis 2 ans. Je pense que pour la Belgique aussi, nous ne voulons pas un marchandage communautaire dans lequel les francophones auraient véritablement des désavantages pour la suite de leur région. Donc, je pense que tous les citoyens, tous les électeurs doivent véritablement faire ce pas de vouloir savoir ce qu'ils veulent pour leur cadre de vie, pour leur pays et indirectement pour leur région. Je pense que c'est véritablement une responsabilité de tous et de toutes.